topic, hot topic. Hot, hot, hot. Voilà, voilà. Let me do something. Let me do something. Let me do something. Clashologie, on partage direct. Big up Massive and Crew. This is Mr. War from Clashologie. On me dit qu'il y a déjà 17 personnes qui se connectent. Big up à vous tous. Merci d'être là. Allez, on va sur le groupe. Ah, ça fait plaisir de vous voir. Ça fait longtemps. Aïe, 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 aïe. Ça va, toi? Ouais? Vas-y, on va parler tout à l'heure. On a des choses à se dire. Allez, connectez-vous, vous allez voir. Allez, va. Ah, il est où le truc? Il est là, le live. Alors, tac. Marquez comme annonce. Hop. Mettez ça en haut. Big up à tous les clashologistes. Big up à tous les clashologistes. Hot topic. Hot topic massive. This is Mr. War Clashologie. On est bien là pour la finale du 45 to kill. We come to kill, boy. Assassinate Anna. Vous le savez, mais avant ça, j'ai des choses à dire. Vous allez voir. Il y a du hot topic. Laisse-moi aller dans le live parce que j'aime bien voir les commentaires. J'aime bien voir qui est là. Alors, qui est là? Pauline Josso, la Bretagne est dans la place. Vassa Jump Family, big up. Seb Isa Bleed, big up every time. Clashologie massive. Michael Bidois, big up yourself straight. Stéphane Van Keer, big up yourself straight. Matt Koudiouf, Jawed Family, Rachid, toute la famille, Juju, big up yourself, you know, Fiona, big up every time. Mathias Favier. Ah non, je l'ai mal dit. Mathias Favier, putain, on croirait comme les Ferrero. Big up yourself, brother. Straight. Ah, alors attends, vas-y, ferme ça. Hop. Qui est là? Rachid est dans la place. Flo Cabo, merci à toi, l'organisateur, le créateur du 45 to kill. Quelle idée de génie, brother. Big up yourself. La famille de Clashologie, ça fait plaisir. Omar, mon grand frère, mon frère pour la vie, Omar Kildem. La famille, brother. J'espère que tout se passe bien. Senda Chata, Coco Yves, Lord Mercy. A lot of people start to log on. Allez, on y va. Ah, alors attends. Alors attends, parce qu'il est quelle heure là? Il est quelle heure? Il est 15h53. Bon, si ça saccade un peu l'image, ne vous inquiétez pas. Hein, c'est bon? Ça va, Clash of Nose? Tu vas me faire une petite chanson tout à l'heure? Hein, il est vex. Clash of Nose, il est vex total. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant ça, hot topic. Hot topic, sa mère. Jawed versus Shaman, qui était là? Hein? Laisse-moi voir le chat. Laisse-moi voir qui est là. Hey, Zantar sous stéréo, big up yourself. Il est 15h03, frère. Tu es à 10 minutes de retard sur ton heure. Hein, ça doit être les îles là-bas. Ici, Bastien Urson, big up yourself. Jayout, Poupa, Alex, Mighty Earth est dans la place. On va en parler. Big up, l'original Big Shata Bomb Salute. Vous le savez, ça y est, ça arrive, ça va se créer. Alors ça, c'est anthologique, on va en parler. Bien évidemment, Rodrigue, la Mouvante, big up yourself. J'espère que je l'ai bien prononcé. Hot topic, ah, il y a du monde. Sébastien Miché, big up, Asher of the Yard. Big up yourself, Rico Drago, Yacramba, Soul Stereo, la famille, ça fait plaisir de vous voir. Hein, on retrouve d'ailleurs Soul Stereo et Guiding Star bientôt, le 7 juin, si je ne m'abuse. Sur War Report, ça va être hot. Ça va être hot. Il y a d'autres choses, mais on va en parler, ne vous inquiétez pas. Fifi est dans la place, François Brié dans la place, voilà, le flyer s'affiche, il a disparu, mais c'est pas grave, c'est très bien, c'est le montage, c'est en live. On est déjà 67, ça fait plaisir de vous voir. Ah, n'hésitez pas à partager, invitez vos amis, le live est sur Party Time et sur Clashologie, vous connaissez déjà l'histoire. Alain JP, du Pays Basque, merci à tous. Hey, Pays Basque, big up. Et Hollandais aussi, big up. Hey, t'inquiète, la famille. Yeah, man. Julie, big up yourself. Woody Bones, big up yourself. Sin, yeah, man. Strict. La famille de Bordeaux, il y a Grégory Bott qui est dans la place. C'était pas du ketchup, frère. Hein? Si vous voulez savoir toute l'histoire de la bagarre, hein, du clash Jawed Shaman, vous venez mercredi soir, je vous ai concocté un live de ouf. On va tout savoir sur ce baston. Hein? On va en parler. Hot topic. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont participé à la cagnotte. Hein? C'est extraordinaire. Le deal, c'était que chaque sonde reçoive bien évidemment une somme pour les défrayer pour la route, qui était, je crois, de l'ordre de 100 euros chacun. Et en plus de ça, ils se partagent la cagnotte en deux. Donc, je vous remercie de les avoir respectés pour un travail qui est difficile. Et ça me fait vraiment plaisir. Donc, merci à tous ceux qui ont participé à la cagnotte Litchi et PayPal. Big up on the self, straight.
Ah, là, 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 là. Wataguan, Wataguan, Wataguan. Eh, il y en a certains d'entre nous, vous avez des prénoms de ouf. Alors, attends. Jess Rich, big up yourself. Laspinas Thomas, big up yourself. Jules Dallo est dans la place, Clashologist, Family, All Time. Antora, big up yourself. Je vois qu'il y a pas mal de fans. Adrien Tronel, big up yourself. Yude Kayamka, too, big up yourself, straight. General Paulat, Legal Chat, always. You know the thing already. Laura Ingsom, big up yourself, La Réunion, on va en parler. Vous savez que le 13 juin, il y a Kipwaki, un clash spécial, île de La Réunion. Mais là, pour l'instant, faut que je vous raconte une histoire de ouf. Donc, je vais quitter l'écran pendant 1 minute. Je reviens tout de suite. Ne bougez pas. Non, je m'en fous. C'est à moi, je m'en fous. Mais Lily, voyons, mais non, mais Lily, calme-toi. Non, non, c'est insupportable. Je vais leur dire la vérité. Lily, voyons. Qu'est-ce qui... Non, Lily, attends. Non, laisse-moi passer. Tu fermes ta gueule. Je te le dis tout de suite. Salut. Enchantée. C'est Lily. Lily Bertrand, actuellement propriétaire de cet endroit. Ah, j'étais un peu énervée. Je suis un peu remontée. Hein? Hey, tu ne bouges pas. C'est comment on voit le chat? Hein? Je te prends? D'accord. Je prends? Je prends? Ok. Ah, ça va aller. Oh, excuse-moi. Il est très étonné que je sois là. T'inquiète, j'ai beaucoup de choses à dire. Salut, c'est Lily. C'est Lily Bertrand. J'en ai gros sur la patate. Alors attends. Merci, hein. Merci à vous tous. Big up. Donc, sans rien me dire, on fait venir des Belges, des Asiatiques et tout à la maison. Hein? Allez, tout ça, c'est les dossiers des plaintes. C'est toutes les plaintes qu'on a reçues. Hein? Allez, allez. Je vais en lire quelques-unes. Alors déjà, plainte de la part de la famille de Jawed. Oui, nous sommes arrivés, il n'y avait même pas des pizzas. Ta gueule. Je te dis tout de suite, ta gueule. Ensuite, ah non, je suis hyper remontée là. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a une cagnotte. Et Lily, alors? Ils n'ont même pas pensé un peu à moi. Donc, je suis désolé. Vos clashs de merde. Hein? J'en ai ras le cul. Voilà. C'est bon? Non, c'est bon. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. Bisous, bisous. Ah. Ah, je suis désolé, hein. Je suis désolé, les gars. Ah, elle est vénère. Elle est hyper vénère. On a pris des risques de ouf pour faire ça. Bon, alors, quoi, où, alors on me demande toujours, il est quelle heure? 15h10. Ouah, sa mère. Vous le savez, 45 to kill la finale. Ben Back, Brooklyn, New York et la Bretagne. Versus Wildcard. OK? Representing the whole fucking country. So right now, on me dit dans le chat. On me dit, alors il y a Rachid Jawed qui me dit, Wari doit remplacer les tailles de la cave à Lili. Ah, c'est vrai que là, hein, j'ai envoyé un courrier à CTLM, le bonhomme vert, là. Il m'a dit, non. Il m'a dit, laisse tomber, frère, t'es au RSA. T'auras pas de crédit.
Donc, c'est chaud. Donc, envoyez la force, hein, quand même. Là, je suis désolé. Ah, ah là, là là là, le courrier des lecteurs. Non, mais on a reçu des plaintes de ouf. Des plaintes de ouf. Déjà, il y a L214. Vous connaissez L214? Hein? L'association là qui protège les animaux. Ils étaient vénères! Quand j'ai dit la perruque, elle était en poil de ragondin. Quelle erreur j'ai faite. Hein? Ouais, c'est ballot, il a tué des ragondins et tout. Et ils étaient pas contents. Donc voilà, donc les gars, faut se calmer sur les réseaux sociaux. On n'est pas obligé de s'énerver comme ça tout le temps, d'avoir tout le temps, tu vois. Tranquille. Alors, Daktari, big up yourself. Hein? Je me rappellerai toujours le coup de Daktari à Dieppe. Hein? Junior Mervin, frère. Cool out zone. Ah ouais. Ah oui, alors attends. Il y en a un autre qui était hyper vénère. C'est Pete de Poum Poum Sound. Et Pete, il m'appelle, il me fait oh! Hey, écoute-moi bien, lunette jaune. C'est la chatte qui te parle. L'imitateur, c'est moi. Toi, tu viens dans tes shows. I come to kill, boy. Et les TV, mais tu fais boutique, la bâtard. C'est mon terrain. Pff, tout le monde était vénère. Tout le monde était vénère. Un truc de ouf. Hein? Ah ouais, moi je suis parti me planquer pendant une semaine. J'étais recherché par tout Molenbeek. Un truc de ouf, quoi. C'est pas facile de faire clashologie. Hein. Il y en a certains, ils rigolent. Ouais, rigoler, c'est la vie, mais. Oh. Hein? Bon, alors attends. Hein? Il y a Siladao, big up yourself, fellow straight. Vivi Rambo, big up yourself, big up à toute la gente féminine, bien évidemment. À la rentrée, vous allez retrouver. D'ailleurs, on a recruté une meuf dans Clashologie, une sélecta. Sélectresse, elle m'a dit. Elle m'a dit, on ne dit pas sélecta pour nous. On dit sélectresse. Donc, une sélectresse. Sélectresse Bacha. Vous la retrouverez à la rentrée. Wicked, wicked girl. Wicked girl. Alors, voilà. Et une fois n'est pas coutume, j'ai décidé d'arrêter de boire. Non, pas aujourd'hui. Mais j'ai décidé. Donc là, je vais boire ma dernière bière avec vous. Hein? Chiche ou pas? Voilà. Alors, merci à vous tous. Et alors, n'oubliez pas, hein, n'oubliez pas que ce clash, ça se produit aussi entre deux sondes. Quelque part, c'est des sondes, les gars. Des mecs qui collectionnent aussi les vinyles. Mais c'est aussi deux labels. C'est des mecs aussi qui produisent de la musique. Et ça me fait plaisir en réalité parce que vous le savez, en plus, il y a Party Time récemment avec un lockdown. Ils ont créé un petit peu un nouveau concept où des sondes qui ont des labels ou des labels viennent voilà, dans ce meeting. Hein? Mitash, moi j'appelle ça, mais chacun appelle ça comme il veut. D'accord. Non, pas backshot. Bad, bad chat. BAD espace CHADTE. Moi j'ai dit, écoute, chacun son nom. Moi, je ne juge pas. Moi. Je ne juge pas un livre à sa couverture. Il faut lire le contenu. Je vais dire, attendez de voir. Vous allez voir. La meuf, elle a des choses à dire. Elle est remontée contre les mecs. Ça va faire mal. Clashologie, là, à la rentrée, ça prend une tournure, je vous le dis bien. Alors, Mia David, big up yourself, straight. Bakaman, big up yourself, straight. Woolly Papi, Paul Boyan. Ah, c'est la finale, frère. Putain, déjà 100 personnes, c'est cool. Sin Nadine, big up yourself, straight. Ah, bon, on va trinquer quand même, les gars. Santé à vous. Sin. Ah, alors, attends, il est là. Ah, j'ai envie. Alors, bientôt, les sondes arrivent. Putain, mais il dure combien de temps, ces 45, toi? J'en ai aucune idée. Moi, je suis pas au courant, frère. On m'a rien dit, frère. Je te jure. Hein? Bon, là, c'est la finale. Donc, normalement, si ça s'appelle finale, ça veut dire que c'est le dernier. Hein? Comment il s'appelle, celui qui m'a posé cette question-là? C'est vrai que cette question, elle est con, non? Alors, attends. Il y a un frère, il m'a dit, il est où le message? Voilà. Épilepsie. Ah, bah, forcément. J'aurais dû me douter, c'est écrit dessus, frère. Frère, quand ça veut dire finale, la finale, ça veut dire c'est fini après. C'est-à-dire c'est fini, quoi. Tu vois, c'est comme la finale de la Coupe de la Ligue. C'est pareil. Alors, attends. Bing, 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 bing. Angelo, big up yourself, straight. Ah, est-ce qu'on peut accueillir Ben Bach et l'Original Vibe Guard? On a des questions à leur poser.
Hein, notamment par rapport à leur production, bien évidemment. Yeah! Hot topic! Yo. Hot! Hot! Ils sont là, ma Steven Crew! Yo, Hot yo, yo. topic! Vous êtes bien présents, merci Yes. à vous. Il n'y aura pas de forfait, t'as vu? Il n'y aura pas de forfait, je te l'avais dit. Les mecs sont là, quoi. Alors, bien évidemment, d'abord, en vérité, je voulais vous poser quelques questions, mais pas réellement par rapport à vos sondes, mais plutôt par rapport à vos labels, puisque voilà, vous produisez de la musique. Donc voilà, donc je vais donner la parole. Qui a le micro en premier? Hein, Vibeguard, vas-y. Alors, est-ce que tu peux nous donner le nom de ton label, nous expliquer un petit peu ce qui se passe dessus, les prods, etc. Ok. Bah après, le nom du label, c'est pas compliqué. Bah tiens, c'est marqué sur le t-shirt. Vibeguard Recordings. Ça a été la première prod, je crois qu'elle date de 2011. C'était les prémices du truc. En fait, donc le label, moi là-bas, je suis Selecta. Et j'ai rencontré un jour Cédric qui est là, qui est producteur aussi. Et on a monté le label ensemble. Et, c'est quoi la première prod? La première prod, c'est sorti en digital. Et c'était Talk Them Out Talk de. Putain. J'ai perdu. C'était Tiaro et Meloquence. Donc c'était du dancehall. Meloquence, c'est son frère Tiaro sur un Redeem Talk, Dema Talk. Et donc ça, c'était la première prod qu'en digital. Et après, on a sorti un premier 45 tours John Mouse en face A avec Osiris MC. Après, on a produit des Carl Mix. On a fait 4 45 tours comme ça. Et après, on a sorti un EP avec King General plus Dubstep. Là récemment, on a sorti un One Redeem en CD qui s'appelle Guard Your Joy Redeem. Donc, on l'a sorti en CD grâce à des subventions locales parce que nous, on est vraiment un micro-label. On produit à l'échelle associative en fait. Tous les ans, on a un projet. On ne peut pas aller au-delà de ça à cause des finances qui ne sont pas là. Donc, c'est vraiment à l'échelle associative. Et là, en septembre, on va sortir un projet vinyle, un maxi qui s'appellera Le Retour de la Momie. Donc de l'homme Osiris qui fait aussi partie du sonde. Donc c'est vrai que le label, c'est quelque chose vraiment à côté de l'activité sound system, quoi. Ça va. All right, good to know that, bro. Et alors maintenant, je vais m'intéresser à Ben Back. Toi, c'est pareil, t'as un label, tu produis. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, bah moi, ça s'est créé en 2013 à peu près. Un peu après que... une fois que j'étais bien installé à New York. Et parce que j'avais l'occasion de rencontrer des artistes qui sont là quand même, des gars qu'on kiffe depuis longtemps. Donc j'avais rencontré, et on avait, le courant était bien passé avec Devon Clark et Johnny Osborne, que j'avais rencontré grâce à un pote. Et à force de faire des sessions de plate et tout ça, je me suis dit vas-y, je vais faire un label, on va tenter de sortir un premier 12-inch. Et il y a d'ailleurs, je remercierai jamais assez aussi Miss Tapi de Early Days qui m'a quand j'ai vu que lui il faisait, parce qu'il venait souvent à New York, quand j'ai vu que lui il avait lancé son label et tout, je me dis ah putain c'est possible en fait, tu vois, il m'a motivé un peu et tout, et du coup voilà. Donc voilà, et puis après bah ça fait 2013 à maintenant que je fais des trucs. J'ai changé avec des producteurs différents, avec des artistes différents, des vétérans established comme King Kong, Echo My Note, tout ça. Mais aussi, depuis peu, j'essaie de développer un artiste, Johnny Go Figure, avec qui on a sorti un EP il y a un an et demi, un truc comme ça. Non, il y a 2 ans maintenant, putain. Et voilà, on est en train de bosser, en train de finaliser son deuxième. Donc ça devrait sortir peut-être d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, quand on pourra retourner. Donc, action Yeah man, yeah. Action. Et big up tous les producteurs de Ben Bax, juste un petit mot, big up tous les producteurs de Ben Bax qui produisent pour Ben Bax, le DNH, Green and Fresh, Beno, Marshall Nico, j'espère que j'en oublie pas, voilà. Et Roland Record, big up, voilà. Ok, bad les frères. Bon, bah écoutez, merci en tout cas, c'est bad de savoir finalement qu'il y a des labels qui s'investissent aussi dans cette culture clash, c'est très intéressant. Aujourd'hui, vous savez, vous avez gagné... votre combat pour arriver jusqu'à cette finale, 45 to kill. Vous allez rentrer en guerre dans 10 minutes à peu près, donc je ne vais pas trop vous saouler. Mais avez-vous quelque chose à vous dire avant la guerre? Bah non, rien, bonne chance, ça va être cool, non? Ouais, enjoy. Voilà, c'est cool. Good luck. Après, on va garder un peu du suspense, comme il dit l'autre.
Voilà, très 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 humble tout ça. Merci beaucoup, messieurs. Ouais, enjoy. Ah, tant pis, que le meilleur gagne, bien évidemment. Ah, dernier voilà, truc à dire. 9 minutes. Pardon ? On va dire encore une fois aux gens de partager. On va essayer quand même de faire les 400, t'es pas d'accord, Lo ? Ouais, si, ouais. Ok, donc partagez, les amis, partagez. Cher Belly. Yeah. Yes, merci, big up, les gars. On vous retrouve bientôt. Le clash va pas tarder. Hein, merci en tout cas. Donc pour tous ceux qui se checkent les labels, bien évidemment, voilà, vous connaissez les noms maintenant, vous connaissez les prods. Allez, laisse-moi voir ce chat. Yeah man, on est presque 100 dans le chat, ça fait plaisir. Merci à vous tous d'être là. Yeah, ah tapé, on va prendre la température. C'est quoi les pronostics, les gars là? Dans le chat, là, je m'adresse à tous ceux qui sont dans le chat. Quels sont vos pronostics? Hein? Est-ce que les paris sont prêts? Ah, moi j'ai du mal à dire, hein, quand même, c'est chaud, frère. Parce que cette compétition a été chaude, mais bon. Quand même, voilà, Valgarde, après, ils sont arrivés, animation, 7 carrés. Phew, ça va être quand même… Il a des bons speeches aussi, Ben Bach. Hein. Ça va pas être un clash facile. C'est évident. On va voir un peu ce que disent The Frontalmer, big up yourself, everybody in the cinema. Yeah. Kevin Early, big up yourself, see. Allez, il y a le marabout Arico Drago qui vient d'arriver, big up. Laetitia Toulouse, big up yourself, straight. Bon, alors, d'après vous, là, d'après vous, qui, d'après vous, engagez-vous un petit peu, là. Là, je vois qu'il y a du monde dans le chat. Matt Kudouf me dit Valgarde et Ben Bach au Dubfidel. C'est perspicace. Ça, c'est… J'y avais pas pensé, putain. Hein? On sait pas. J'en fous partout, Vega Pissel. Alors, on me dit, j'attends l'écoute. On me dit, je sais pas. Je sais pas. Ça peut être serré, hein. Ça peut être très serré, finalement. On va voir. Yaman, yeah, Junior Box, Vega Pissel. Ah, après le first round. On me dit qu'il faut prendre la température après le first round. Pourquoi pas aussi, hein? Pourquoi pas? Donc, en attendant, il n'y en a aucun qui est capable de dire quoi que ce soit. Ah, ça veut dire que c'est une belle affiche. Finalement, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, frère. Mais à tel lieu. Ah, quand même, il y en a qui s'investissent déjà. Il y a un Dref Jarut qui me dit Ben Bach 80s vibes. OK. Thomas Fomm qui me dit Ben Bach aussi. Donc, Ben Bach a des supporters dans la place. Ça fait plaisir. Hein? Alors. Alors, Junior Box me dit aussi pareil. Il a un feeling, il pense que Ben Bach peut mener la danse. Hein? Donc, c'est intéressant finalement. Hein? C'est vrai que c'est pas quelqu'un de facile à affronter. Qu'est-ce que c'est que ces sous-titres? Escroche ou pas tout. Je vais voir s'ils traduisent pas. C'est quoi les sous-titres, frère? Est-ce que tu peux enlever les sous-titres? C'est perturbant, frère. Allez, on me dit Ben Bach encore une fois. Aïe, 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 aïe. Hot topic. Gros big up à Vibrad. Ouais, voilà, il y en a quand même qui se disent bon. De Frey, il me dit que ça va jouer sur l'animation. Et pas les sélections, forcément. C'est intéressant aussi. Alors, Rico, il me dit quoi? Ouais, avec un thermo et du café. On me dit prophétie si on revote. Non, on ne peut pas refaire les matchs, les gars. C'est pas possible. Quand même pas. Ça va être chaud. Voilà, on me dit ça va être chaud. Effectivement, il va falloir qu'il y ait des speeches, il va falloir des arguments, il va falloir de la sélection aussi. Parce que quand même, il y a pas mal de tunes qu'on a entendues durant cette compétition. Donc, on s'attend à attendre voilà, d'autres tunes. Il va falloir aller puiser dans la box. Ça va être good. Méfiez-vous de Vibeguard, me dit Vibes, Mix Killers. Et. Hard topic, Matt Kudu, cette histoire de chrono. Ça y est, j'ai fait l'enquête. Hein. Moi, t'inquiète pas, mercredi, on va en parler. Faites les malins, mais mercredi, on va en parler. Preuve à l'appui. Faites entrer l'accusé, je vous le dis direct. Alors, attends. Hihi. Alors. Ah ouais, d'ailleurs, il faut. Alors, la pièce. Ah merde, putain. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà, je suis tout seul, donc la pièce, c'est moi qui vais faire. Est-ce que j'ai un sou quelque part? Voilà. Hop, non? Alors, bougez pas. On va aller chercher une pièce. Ah. We're going to be so fresh. It's so fresh, my man. So I'm going to go down. Voilà. Alors, est-ce que je vois quelque chose sur cette pièce? Ouais, c'est bon.
Allez, c'est parti, le gars. Hot topic, another place again. Alors, tu nous fasses, voilà, c'est parfait, 20 centimes à l'ancienne. Yes! Alors, laissez-moi voir un peu là, parce que ça va bien, il y a de la vibe dans ce chat, frère. Hein? Ah, faites entrer. Alors, on va en parler tout ça, c'est les costumes et tout. Des bars, frère. Allez, alors, bien, qui c'est qui va mener là? Moi, c'est qui m'intéresse. Non, non, non. Walk-in, on me dit walk-in. Walk-in, je ne vois pas qui peut walk-in, ceci dit, parce que là, il n'y a pas de sélecteur. Mais bon, anyway. Big up Sakai, pom pom son every time, man. You see? L'origine du monde. Gustave Courbet, vous connaissez ou pas? L'origine du monde. Cold chatting, and I tell you. Ah! Badness, c'est non. Yaman, of course, every time. Bien sûr, frère, je suis dans ma chambre. C'est mon doudou. Clashounours. Faut se méfier des apparences, moi, je vous le dis direct. Faut se méfier des apparences. Alors, personne dans la vie ne choisit sa couleur. L'important, c'est d'écouter son cœur. Big up Arnold et Willy pour tous les anciens. Trop de vacances. Ah, de la bombe, frère. Tu peux pas dire ça aux youth, ils connaissent pas. On va dire, t'es un ouf, de quoi tu me parles? Mais bon, pour tous ceux qui étaient là, en tout cas, big up. C'est nous les Clash en ours. Alors, c'est parti, frère. Là, on me dit dans l'oreillette qu'il est 27. Ha, tapé. On a la pièce, et le caméra. Voilà, on a la pièce. Hop, il n'y a pas de focus, c'est pas grave. Allez, alors, bien évidemment, va voir. Bon, ce qu'on va faire, je vais vous expliquer une règle. Il y a une règle à l'ancienne quand même dans les clashs. Ça, faut pas l'oublier parce que clashologie, on est là pour délirer, mais il y a aussi de la culture et on est aussi là quelque part pour vous donner des vraies infos en ce qui concerne la culture clash. Donc, à l'ancienne, dans les années 90, et notamment en Jamaïque, à New York, etc., c'est le premier arrivé qui joue en premier. Donc, quand il y a un clash dans un club, le premier son qui arrive dans le club, c'est lui qui joue en premier. Bon, là, bien évidemment, c'est sur Internet. On est d'accord? Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que Vibe Guard, c'est pile, et Ben Back, c'est face. Hot topic. On va tirer au sort, OK? Celui qui tire au sort, il va commencer le clash. Voilà, je change les règles, je fais ce que je veux. Donc là, on a dit face, Ben Back, pile, Vibe Guard. Are you ready, Massey? Two sevens clash. Hot topic. Fire in the chat. War on the start. It's war, it's war, it's war again. Jesus Clash, big up yourself. C'est dimanche, c'est son clash. 45 to kill. Big up Flo Cabo. Allez, c'est parti. Hop. Je l'ai raté, sa mère. Bouge pas, j'arrive. Alors. Hot topic. Hot. Pile. Pile. Voilà. Pile. Donc, c'est Vibe Guard qui commence. Hot. Hot Vibe Guard, prépare-toi mon frère, il te reste exactement une minute pour te préparer. Vous le savez, deux rounds de 10 minutes, un tune, fit tune de 5 tunes chacun. Ça va être vénère. Pas d'intervention entre les rounds du premier round. Une intervention entre le premier et le deuxième round et le dub feed-up. Vous connaissez maintenant, on est bien sur Party Time, on est bien sur Clashologie. Merci à tous d'être là. Ça va être hot. Share the links if you want. Et share the vibes. Share the clash. Share everything. Merci à vous tous en tout cas. Vous êtes prêts ou pas? C'est la finale, les gars. C'est maintenant que ça se joue. Vous êtes prêts? Il est exactement 29. On va, voilà, mettre à l'image. Va, garde. Merci à toi, Party Time, Mathia. Hard topic. Vous êtes prêts? Je vois pas tous Seven Clash, les gars. Vous êtes feignants aujourd'hui ou quoi? Two Seven Clash. Fire in a bomb, book my chat. Let me show that. Are you tired? Two Seven Clash. Two Seven Clash. Two Seven Clash. Fire in a bomb, book my chat. Allez, on va commencer ce clash directement. Vibe Guard, t'es ready, mon frère? Yes, ready, me ready. Allez, c'est parti. Il est 30, 10 minutes. Yes. Big up à tous les gens connectés aujourd'hui. Je vais encore vous demander de partager ça au maximum. Il faut essayer de battre le record là, 200 ou 150, je sais plus. Mais on va mettre ça au top aujourd'hui. Big up Ben Bax, Sonde. On voudrait être big up car vraiment, comme on le disait en intro à 15h par là dans ces eaux-là, on respecte ton label au top. Franchement, c'est du sérieux, il n'y a pas de problème avec ça. Mais franchement, ton Sonde, Ben Bax, Sonde, c'est une joke, tonton. C'est une joke. Tu sais pourquoi?
Parce que tu fais uniquement de jouer des collectors et tes productions. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. Nous, on push up la vibes au top. Et on est là uniquement pour ça. Et on vient te la faire à l'américaine aujourd'hui. Ragamuffin Rambo. Ragamuffin Rambo pour toi. Écoute. Ragamuffin Rambo. Et si on n'a pas encore fait assez de boucans avec l'hélicoptère, c'est le moment de te réveiller, tonton. Wake up. Parce que ça serait dommage d'arriver en retard à ton enterrement aujourd'hui. Wake up. Crucial tune. Yes, aujourd'hui c'est pas joujou, pas dodo. On est venu sérieux, t'inquiète. On est au top. Et c'est à notre tour de briller aujourd'hui. Vibeguard a dit Rising Star. C'est à notre tour de briller. On big up tous les ghetto youth qui réussissent dans la vie. Faites un maximum de bruit massif dans la chatbox. Aujourd'hui c'est final. On joue les crucial tunes. Rising Star, oh Lord. Vibeguard a dit Rising Star. Me I tell you this. Et là on va faire une chose parce qu'on est au top. On est obligé de garder la vibe au top avec Vibeguard. On va sécuriser le truc. Parce que Ben Bax, c'est pas cauchemar en cuisine, c'est cauchemar en son clash. On est obligé de sécuriser le truc. Mets-moi Little John. Core Cop dit Dan Chol. On sécurise. Il y a eu trop de malfaçons. Tu joues pas assez diversifié. Yes, on sécurise la chose. Et toi, on va te mettre dans un endroit où on met les mauvais soundboys. À tous les soundboys qui jouent pas pour tous les massifs, on les met quelque part. Et c'est pas très loin de chez toi, écoute. C'est pas très loin. Tu sais, on les met les mauvais soundboys. Écoute. Oh, papa, you should have seen your little son. The first time the youth come on New York, them telling youth you mustn't skylark. Learn a trade or go to school, and don't you turn yourself in a fool. But now I'm gonna Rikers Island. Rikers Island, c'est là où tu vas, on va te mettre aujourd'hui parce qu'il y avait trop de malfaçons. Et maintenant on va te dire que nous, la meilleure défense c'est l'attaque. On va venir sur ton terrain parce que Vibeguard Sound, contrairement à toi, on peut jouer tous les styles. Et on joue les classiques. Ça c'est pour tous les massifs qui kiffent le digital. Mettez-moi des light up pour King General. Soupa classique. Ils veulent du digital, on va leur en donner. On joue pour tous les massifs. Super classique, tu sais, Vibeguard Sound, on a cette originalité là de savoir jouer quel 45 tours, jouer à quel moment. On est les 45 scientists. Tu pourras nous appeler comme ça dès aujourd'hui. 45 scientists. On a
bonne méthodologie pour te kill aujourd'hui. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on est dangereux. Boum! On est dangerous! Partout où on passe, des sound boys tombent. Dangerous. A fierce, shiny boy. Dangerous. A sound boy by the dress come up to Twitter. If they want follow us. Dangerous. Now make me start cause them off your fears. Put to light this theater. Yes, les soundboys tombent les uns après les autres, t'inquiète. Tournoi, big up à tous les gens connectés. On va t'expliquer pourquoi on est des vrais scientists. Parce qu'on a été à l'école des soundboys. Mets-moi ça. C'est sorti il y a deux mois. On big up. Landy Y. Parce qu'on peut jouer aussi les brand new en sound clash. Écoute, on a été à la bonne école. J'étais à bonne école, raga et pop et dancehall. C'est plein de code, raga et pop et dancehall. Mina et la bling bling, car il a slackness. Big up à ceux qui rendent la musique. Big up truth and rights. J'étais à bonne école, raga et pop et dancehall. C'est plein de code, raga et pop et dancehall. Mina et la bling bling, mina et la slackness. Yes, et y a un truc que j'ai pas compris. Depuis le début qu'on t'écoute dans le son de clash, tu dis que t'es à New York. C'est marqué sur ton logo Brooklyn. Et t'as pas joué un seul Shabbat. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand on va à l'école des sons de système, quand on dit New York, c'est Shabbat. Mets-moi ça. Boogie on the sound. Yes I. Listen. Time to test your originality. Boom. Don't put your foot over the quand je dis Shabbat, t'es three rounds. Ok. Je comprends pas comment t'as pu pas jouer Shabbat. Faut que tu sortes un peu des sentiers battus, du digital. No more than this, no more than this, I'm telling you. No more than this, no more than this. No more than big up your chest and run the race. No more than this, big up your chest and run the race. No more than this, they come my sound there. Yeah, I know me sound bad, no dip. Yes, mon son de là, il est bad. Je vois que les gens kiffent Shabarongs dans la chatbox. Mettez-moi plein de petites couronnes. Plein de petites couronnes en emoji pour l'empereur. Boum. Valeur du Shabbat again. Pas un, pas deux. Ça fait quoi? Pourquoi un son de New York joue pas de Shabbat, putain? Shabba ranks a warrior, we no place sorry for. Tell him to the corridor. Anything we ready for. Yes, on te disait qu'on était venu en Ragamuffin Rambo. Tu savais quoi, il se bat Rambo avec des M16. Alors dans la chatbox, si vous kiffez la danse, si vous kiffez le premier round, mettez-moi des 1 et des 6, des 1 et des 6, 16. On te met la pression. Final is final. On n'a plus rien à perdre, tonton. Quoi qu'il arrive, anyway. On va te mettre un putain de M16 dans la face. At the age of 16, busting my 16. Step from where we may have 15. The mother here is so happy in her 16. Mavado aussi, il traîne du côté de New York. Pourquoi tu le joues pas? 16, busting the chopstick. What they don't win a rock, no, they back in a casket. I write to man on fire with a track nine and fist. Shoot them for target practice. One of you go inside. I'm out. Big up à tous les gens à l'écoute. Big up Clashologie. Big up Party Time. À ton tour, yeah. Tonton Lo. Boom. Alors, ouais. Mais bonjour à tous. Again. Shabba, c'est pas parce qu'il traîne à New York. Voilà. Il n'est pas avec toi non plus, tu vois. Ayam Shaba Isdeya, il n'est pas à 3. Et j'ai essayé de chercher des artistes de 3 et aussi, bah, j'ai pas trouvé. Alors, je vais pas pouvoir les jouer. Voilà. Donc, voilà, je vais pas faire de plus de discours. Mais j'ai introduit mon premier clash en disant que, en me foutant un peu de la gueule du confinement et du couvre-feu en France. Le deuxième, je voulais que le couvre-feu tombe. Le troisième, je vais l'introduire en disant que ça y est, enfin, je vais pouvoir rentrer à la maison et puis voir ma famille. Voilà, petite introduction. Une excuse pour passer une des plus big tunes de ma box que je trouve. Pas la plus chère, pas les collectors, on s'en fout de ça ce soir.
Il fait déjà 30 degrés ici. Et après avoir travaillé, enfin. Je vais revenir. When I see them smile. Là c'est son de clash qui commence. Enfin il est déjà commencé. Il est parti un peu fort. Mais j'espère qu'il n'y aura pas de Georges Brassens ce soir. Et que ça va être à propos d'un seul truc. Beaucoup parlé, moi je vais laisser parler la musique un peu. Et tu ferais bien d'en faire autant. Stop, look, listen, maybe you'll learn. Faire un bon set. Parce que j'ai le témoignage de quelqu'un qui est allé dans une de tes danses. Véridique. Apparemment c'était pas ouf. I went to a dance last night. Everyone was so uptight. Music was really alright, but they didn't come out to groove. Y'a pas de groove. They didn't come out to groove. Everybody sit down and stare. No one would have leave them chair. But what in the world did it prove if they didn't come out to groove? Yes, y'a pas de groove dans tes trucs. Tu t'arrêtes tous les minutes pour parler une minute pour jouer 10 secondes de tune. Vas-y, on va faire ça mieux. Nous, quand on tue des sondes, on le fait avec le groove, avec les gros scores. 85% au premier tour, 70% au deuxième tour. C'est pas un score de putain de dictateur, ça. The war is on me. My feeling may be frozen bone. Rambo, on le tue. Et on va lâcher les bombes. T'as dit que t'avais un label, mais on n'entend pas tes productions. Ça c'est une pré-release. Et vu que c'est la finale, on connaît beaucoup plus de gens morts que de gens vivants maintenant. Lyrics adaptés. Et encore une Benbax production. Parce que j'ai appelé un pote pour lui demander des conseils. Il a dit nana, juste mets le feu. Big up Bobby. Mais 3 c'est déjà un peu Babylone, donc c'est pour ça. Again Ben Bax. C'est la finale ou pas? This is the grand finale of the whole scenery. No matter where them try, none of them can stop me. Work me on a go, say me not beg nobody. Me no buy respect.
not from the swim. Et t'as commencé un peu sur les chapeaux roux, mon copain. Only the fittest of the fittest shall survive. J'espère que tu vas pas t'essouffler. When you start to survive, just keep on, keep yourself alive. Moi je vais monter en puissance, t'inquiète. Last year I know. Sometimes the road gets too rough and you can't stand the pace. Il est pas trop tard pour abandonner. So hard, failure is your just reward. There is a lesson you must learn. Play with fire, you must get burned. The going is rough, it's gonna get rougher. The going is tough, it's gonna get tougher. So if you are in doubt, it's time to get out and start running your mouth. Parle trop. Talking no business in a champion race. Three the yard, we ain't come for mash up the place. When you set it, no boy can't take it. Say who can't take it, better go on and lift it. We are going to inject a sound. Quick eject. Out. We are going to inject a sound. I met the sound them know. I might sound a star the show. We are going to inject a sound. I met the sound them see. I might sound full of quality. Yeah, we are going to inject a sound. I met the sound them. No, I might sound I run the show. We are going to check us on. I make the sound them see. My sound is full of quality. Et on enchaîne les tunes. Alors prends-toi celle-là dans les dents. T'as joué que du digital. Viens, faut pas me tester en digital, mon frère. Il y a mieux à faire pour toi. Va boire de la bière. On va chez le croque-mort. Et tu vois, c'est pour ça qu'on va gagner ce soir. C'est parce qu'on contrôle tout. Que ce soit le corner de ma cuisine, les sons de système avec mon poteau de dubstyle qui est là. Tu viens me tester avec une sono, tu viens me tester avec tes dubplates, tu viens me tester avec tes productions, il n'y a pas de problème. On répond. On a le sound system thing pan lock, mon frère. Now the youth them have the sound system thing pan lock. Asha Senator Shock. Écoute bien. You them are the cream of the crop. Listen. Hey yo, the youth them have this thing and them a lock the area. Them a build up for them sound and them a cause a mania. And the music them producer people say superior. Hear the lyrics them a spit, I say the dance a fire. Them have this sound thing pan lock. Me say the youth them have this sound thing pan lock. Me tell you say them have this sound thing pan lock. Yeah, me say them have this sound thing pan lock. We have to rate the youth them sound system. Big man have to rate the youth them sound system. Woman have to rate the youth them sound system. Man, hey, the fire on chat box, you go! Fucking at the day we used to do this thing proper. Et voilà. Alors il reste un petit truc juste pour répondre à ton Rambo, parce que Rambo, franchement, ça fait un peu pitié. Tu dis que si tu fais ça à l'américaine, aux États-Unis, il y a un mec bien meilleur que Rambo, bien meilleur que Jackie Chan, bien meilleur que Jet Li. Steven Seagal, Steven Seagal, Fire! Seagal, Steven Seagal, Steven Seagal, Steven. When you pick up the phone and dial, but God don't answer when you call, dial 1-800 Steven Seagal. When you owe the gang some money and you. Et ça c'est un vrai artiste de New York. You have to kill him, man. Uzi man. Seagal, Steven Seagal, Steven Seagal. How would the man make the girl spread them legs and ball? How would the man about the wipe the brains off you while you make him vex him disconnect your eyeball? I'm gonna talk about Jack Norris, I'm gonna talk about Jet Li, I'm gonna talk about Jackie Chan with them drunken kung fu technique, I'm gonna talk about Van Damme wearing a tight speedo, me on the tribe boy, the original ponytail Guido. Yeah. What a rascal, boom, look like something in here. Let me tell you, Mr. That clash your heart. This is Ben Bach versus Van Damme. Ooh, the clash. Who will tell me? Keep in your doors. Keep in your doors. Pull your own. Hot topic. Hot the fire. Hot off. Hot the fire, boy. Boom. With a trooper. 2 seconds clash. Keep in your doors. Van Damme. Ben Bach. Encore 10 minutes et ensuite tu le fais tu roules. Coming by God.
Yes, I. Donc on a plusieurs choses à dire. T'as dit beaucoup de choses. Bon, il y a beaucoup de réponses à faire. On va juste mettre un morceau qui va généraliser un peu l'esprit du truc. Mets-moi ça. On a beaucoup de réponses à faire. Et un morceau suffit pour faire cela. My sound is the answer. Let it be. Le Kiddy, Frankie Paul, Axman. When the broken heart is sound boy, living in a world of dreams. Let it be. Ça doit être comme ça. Vibeguard doit gagner ce soir. Ok. Et tu dis que tu préfères Steven Seagal à Rambo. Mais va demander dans le chat s'ils se souviennent de Steven Seagal et les autres s'ils se souviennent de Rambo. Ils vont dire comme nous que Rambo, oui Rambo. Écoute Super Black. Parce que Steven Seagal à côté de Rambo il est naze. We ragamuffin and we jumbo. Écoute, ça c'est une big tune. Rambo me Rambo, rough me rough. Rambo we Rambo, rough me rough. Let it be, ok. Il y a un truc, franchement, on voudrait vraiment te dire. Parce que pendant le round contre Blaze, tu t'es foutu de la gueule des massives. T'en as profité pour jouer tes productions. Alors que après, tu nous dis, oui, moi, je passe ma personne avant. Non, je passe pas ma personne avant la musique. Mais non, tu fais l'inverse. Tu mets tes productions avant la musique, avant d'ambiancer les gens réellement. Ok. Et nous, on fera jamais d'infidélité à la musique. Run the selection. Tu veux écouter nos productions? Écoute notre anthem. Reggae Addict. Depuis qu'on est réveillé jusqu'à ce qu'on soit couché. Au réveil, reggae music au coucher. Reggae music dans les oreilles. Man à toute heure de la journée. Tous les jours c'est pareil. C'est le même rituel. Je peux pas me passer d'elle. Je ferai jamais d'infidélité. Reggae music au réveil. Reggae music au coucher. Reggae music dans les oreilles. Man à toute heure de la journée. À toute heure de la journée. Et même si pour nous c'est 3h et pour toi 9h, c'est pas grave. On est là pour kill du son. Et pour surtout ambiancer les massives. Ok, run my selection. Parce que quoi que tu fasses, ce que tu joues, on jouera mieux. T'avais un morceau qui disait que t'étais le tough, le rough. Mais écoute ce morceau. Counteraction. Anything that you can do, I can do it better. I'm the roughest, yeah. Casse Rénim. Faut pas venir chercher des noises. Anything that you can play, I can play them better. I'm the dub master. Massive, quand je dis bass line, tu mets plein de bass dans la chat box. Yeah. Bass line! The sign and the dying and the surely gonna die. Never miss a water till you well run dry. That is the time that for them start crying. C'est l'heure du crime dans les dancehall et dans 45 Feet Kill aujourd'hui. Et tu nous disais d'arrêter de parler, qu'on parlait trop, mais c'est son clash tonton, c'est pas un meeting. Franchement, je serais super content si tu fais le dub meeting avec Party Time. T'as ta place, ton label il est bad, mais en tant que sonde, t'es pas là, t'es pas en mode clash. Tu peux pas nous arrêter de parler. Écoute la tune, Anthony B. Stop with from talking. Anyway, chop draw your pitch. We don't walk them. Talk and can't stop with from talk. And you know Rasta man a goin' no boom ya about it. Me a go talk something and me no care. Attack with the poor man, get him sheer. On est là pour dire les choses, pour donner les arguments après les tunes. Et là, on va faire plaisir à tout le monde, tous les gens qui kiffent. Michael Prophet, mettez-moi des lights. Hein. Tous les gens qui kiffent le son clash, mettez-moi des lights. Clash tune. T'entends pas ça souvent, Michael Prophet. Michael Prophet, Chaco. Say that a holy call, we call a sound boy, here we bust the one sound. Say that a holy call, we call a sound boy. Il est pas tout seul. Yes, il est pas tout seul, il y avait Black T. On enchaîne, on arrive direct à Brooklyn. On est là, t'inquiète, on est là en train de toquer à ta porte. Et tu sais pourquoi? Pour ton enterrement. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton enterrement, tonton. My sound back that. Rude boy, action. Sound boy, tonight it's a burial. Maybe you're coughing with the band selection. Nobody tell you, they contest the champion. Now you're dead, we're going, plan out
the funeral, Lord. Tonight it a go be disaster, woy. When we hold that selector, Lord. Tonight it a go be disaster, woy. Tu les sens les vibes de Brooklyn qui arrivent? Est-ce que tu les sens les vibes? If you're asking me for truth, then we'll tell you a lie. But on about going and talk, we're not getting up like I them have no kind of dub. The other day, on vient faire une chose. T'inquiète, c'est Conquering, Conquering en son clash. On vient chez toi maintenant, et pour faire une seule chose, listen. Elimination! Elimination! So the one cross the borderline. Watch it, chug one up on the case again, watch me. Have mercy. What about rush them, my son, say rush them. Anything test you, I go kill them. As soon as I come test, we eliminate them. In the tech, we not the yes, we eliminate them. What we do? Knock on me knee and me pray for them. Tell them tonight are the last of them. If a sound come test, we a go shot them. As we have the big gun, we eliminate them. Yes, on est armé aujourd'hui, on a pris ça au sérieux, tonton. Et de toute façon, moi je pense que là, tu pourras pas t'échapper. Que tu le veuilles ou pas, tu pourras pas te cacher. Mets-moi ça. Ça c'est pour tous les massifs qui kiffent le dancehall et qui kiffent le hip-hop. Donnez-moi des lighters, des feux. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take. On va te trouver. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and make you want me. Now that I escape, sleep, walk away. Those who correlate know the world ain't cake. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400 pound mate, if I could. Yes, tous les fans de hip-hop, mettez-moi un maximum de flamme et tout ce qui suit, ok? Il y a un truc en fait que j'ai remarqué, malgré que t'es sur ton logo marqué Brooklyn, j'ai l'impression en fait que t'assumes pas. T'assumes pas le truc d'habiter à Bed-Stuy. Parce que t'as franchement, moi j'ai pas compris, t'as pas joué un massive B du truc. T'as joué aucun massive B. Pourtant, Bobby Condors, le taulier, le vétéran de Bed-Stuy. Il que t'es dans son appartement de Bed-Stuy. Pourquoi tu le big up pas? C'est le vétéran de ton quartier. Avant ton quartier, avant que ça soit un truc de bobo. Yo man, fais pas ton bad boy. Écoute, argument tune. Yo a bad boy, you know fish short and this. Every morning you fi go and dig on practice. Bad boy, you know fish short and this. Every morning jam and fi take a gun practice. Bam bam, shot and it lick the target. Some boy have them gun and now you a fi use it. Eh franchement, party time, si tu veux vraiment inviter un label, un producteur de Bed-Stuy, bah invite Bobby Condors, c'est juste un conseil, ok? On va continuer dans les vibes de Brooklyn. Il y a un artiste que je kiffe, qui est né à Brooklyn, un mec, un taulier du hip-hop, mets-moi ça! Hey, pour tous les fans de hip-hop, pour tous les fans de Brooklyn, regarde comment on kill un sonde! Time. Yeah. When I step up in the place, and you watch them correct. Keep all in check. I got that head-nod shit that make you break your neck. I got you all in check. And you know we come through to wreck the discotheque. I got you all in check. Throw your hands up in the air, don't ever disrespect. Busta Rhymes dans la place. Ça c'est un putain d'artiste qu'on n'entend pas assez en son de clash. Yes man. On va continuer dans les vibes hip-hop. Parce que pour nous Brooklyn, enfin pour moi en tout cas personnellement, ça rime avec hip-hop. Et on va te mettre un classique qu'on a en 45 tours. Un crucial tune. Mashup Posse. Tu vas devoir raquer aujourd'hui. Tu devras raquer pour pas big up Brooklyn. It up. Bust the rhyme now, MOP now, what you want 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 now, cut that fool, they wanna act stupid, gun butt that fool, when I cock that tone, they gon' run your damn jaw, so we fuck around and leave. Yes. Les mecs viennent de Brownsville, c'est tout à côté de chez toi. Eh, hey, c'est nous qui faisons la visite touristique, c'est pas normal, papa.
That tunes up with the stars, a nigga left from your ass. Some niggas think lopsided, bust they get cross-sided. In the subways, they rob trains running alongside it. See, motherfucker, we... Bruh, bruh, I'm out. Yeah, man, big up. Big up, tout le monde dans la danse. Cool, tu m'as laissé le temps de trouver le Matune. C'est parfait. Alors, le M.O.P. c'est Queens, Bobby Condors, c'est Flatbush, c'est pas Bed-Stuy. Bed-Stuy, il y a un son de Bed-Stuy qui est là, et voilà, j'ai eu le temps de le trouver. Ha ha ha! We are the winner of bad sound, looking across the border. Il s'appelle Smith & Wesson, et ça, ça vient de Brooklyn, et c'est une putain d'anthème ici. We kill you already, and you are the follower of them, is no form of threat to me, cause when it comes to lyrics. Ça s'appelle Soundboy Burial. Bye to a Soundboy head. Rumor not promoting a nasty man, the mafia dead. Giving him two shits dead to him chin. Enemy your friend, fake the fuck, I put the junk to an end. Now who the rude boy want, test the OG. C'est ça qu'on appelle une counteraction. Voilà. T'aurais pas dû parler autant. All of them just a talking. All of them just a talking. T'aurais pas dû parler autant. All of them just a talking. Et il dit all of them parce que j'ai l'impression que t'es 10 dans ta tête, mon frère. All of them just a talking. All of them just a talking. Them just a talk, 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 talk. Them talk too much. We keep on a talk. Il a joué beaucoup de Anthony B depuis le début, mais je crois que Anthony B, il a choisi son camp. Il a choisi son camp, Anthony B. Et la visite continue à Brooklyn. Il y a un autre artiste de Bed-Stuy. Il s'appelle Jadan Blackamoor. Well, here I am now. I'm gonna stand my ground. I've come to take what's mine. Ain't no backing down. Here I am now. I'm gonna stand my ground. I've come to take what's mine. Ain't no backing down. They wanna be the general. Hot like this. General. Wicked like this. General. Rough like this. General. They wanna be the general. Which one are they? General. Et voilà. Et du coup, je vais, pour les massifs du chatbox, je vais raconter un petit truc. C'est que avant, Vibeguard, il m'a appelé. Il m'a dit, vas-y, ça va être cool, mais faut pas y aller trop fort non plus. Je lui ai dit, mais t'es fou, pourquoi ? Il m'a dit, je suis pas un joueur. Il m'a dit, je suis trop sensible. Yo. C'est vrai ou c'est pas vrai cette histoire? C'est vrai? Two can be right and me say one must be wrong. Yes, two can be right and me say one must be wrong. As America and Libya in a confusion. And Libya send a traitor to all American. It's got to get bomb and they kill American. Et ouais, toujours je suis français. We no one, no, we no one. Et t'auras beau m'ajouter sur Facebook après. From left to right, uptown passi, I hold them girlfriend tight. Japanese man, I hold them girlfriend tight. Et t'as beaucoup parlé de ma ville.
Je l'aurais jamais vu. Je suis sûr que t'as jamais foutu les pieds ici. Personne t'a jamais vu ici. Alors viens pas. We not take no use in my town. Get your kid invited in my town. You cannot get exploited in my town. You must get highlighted in my town. In my town. Some of our people might be poor, but they're not stupid. You better don't come over here if you're crooked. You don't want to book up on the thing them. We're rapid if you violate the thing them. Deal with your wicked because we don't take kindly to no fast pretense. You cannot treat. Et franchement, t'aurais pas dû tester le digital. T'aurais dû faire ton truc. Now this is the original Borough Bantanal raising. Et me laisser faire. I say love is all I bring to keep them rocking and swing. Listen to the veteran, I ride the rhythm. Still I do me thing, you know me, still I do me thing. My thing, I my thing, your thing, I your thing. Still I do me thing, you know me, still I do me thing. My thing, I my thing, the original thing. Still I do me thing, you know me, still I do me thing. Now watch bad mind, tell them try something. Still I do me thing, you know me, still I do me thing. You a laugh and a grin like it's a joke thing. If you walk a straight road, you'd hold up your chin. Me now watch where them a bring wicked song, them a sing. Indulge in the violence and the killing. If you choke me with a pin, judge a charge everything. Now got on bad man, see the system. Get bite and pit out, it's just another victim. Va pas falloir faire les bad boys encore une fois. Juste là pour éliminer les sons. Remporter la victoire. Et dans tous les styles. Yo, we come with just another sound. Flush another sound. 1, 2, 3. You make the cool of them drown. Then 3 steps on the lead. That sound only weigh quarter pound. In a demon of circles, them a big time clown. We gonna just another sound. Flush another sound. Throw them in a sea and make the cool of them drown. God damn it, me that sound only weigh quarter pound. In a demon of circles, them a big time clown. Sound boys going through some rugged times. There's the champion sound, I know them crying. We won't let no tin pan throw us down. Encore une pré-release. Cette fois-ci, c'est pas de mon label. Et le bend back, c'est la scoliose. La scoliose, ça paralyse, mon frère. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Put them bumpers, boy. Yes, we are gonna put them bumpers. Hey. Anytime them come, they might be go. Cause you know, I just started the show. Hold up your hand and make the old world know. Love away, we say haters have to go. Yes, we put them on pause, haters. Pause. Yes, Jah put them on pause. Yo! Boy. One aim, one God, one destiny. Control your lives, live in love and unity. Let go of the negativity. Spread love in your life and your community. No hatred. Et on me dit que je peux pas jouer du dancehall. Can you do some freaky things? You can't tell me nothing. Yo, they said them have them. When them bust me, when they pass me, when they push to M16. When they show man, when they set up me, when they send up the thing, you see them running rapid fire. When them give me, when they pop up me, when they rise up me, when they sound up me. Over there have me, over here got me. Say that them have the thing locked down. They said that them a real bad man. Every day them walk down the street with a chrome nine. I don't know what you deal, bad man. All them other people and you sleep with your own kind. I don't know what you deal, up man. Use your bad man road to shield up man. All them other people and you feel up man. Conscious don't heal up man. Them boys forget. Say them happy when them bust it, when them sound it, when they show man it, when they let up it. If you see the gutter scatter, run it rapid fire. Say them happy when them bust it, when them sound it, when they dig. Il fallait pas me pousser. Ça y est, tu m'as énervé, je me suis perdu dans mes vinyles.
judge it over. You never can tell. You see it and I'm demon them hell. In my pen and a scroll, my soul I'm heard of the old crew. Lord, I say your soul like gone. My soul never come here for one. Yo, you see your man face, you don't seem hot. Well, your heart is your heart and your thought is your thought. Yo, it's on the edge of love, say don't you have man's soul. Looks hard to see in your hood and know if you're smart. Them you can't oh, they catch them with witchcraft. The dirt, them a bark, them a bed, they can knock off. With dirt, them a splice and none of them don't knock off. Just kick off and it just now part. Attends, t'énerve pas, ouais. T'énerve pas, attends, pique ce clash, thrash clash, Mathieu Party Time, est-ce que tu peux virer les deux sons de l'image? Enlève les images. Voilà, merci beaucoup. Attends, qu'est-ce qu'il y a, Clash au Lourd? Clash au Lourd, c'est les vénères, sa mère. Parce que lui, il parle que jamaïcain. Attends, tu vas parler. Attends, pique ce clash. Deux rondes de 10 minutes, 45 vinyle original. Alors, vous savez, dans le chat, il faut nous dire qui mène, d'après vous. Parce que là, on arrive au Hot Topic, Tune, Fit Tune, 5 Tune, chaque. Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Mais calme-toi! Hot Topic, to push it like the rest, flat! Eh? You know, see what me, I see? Voilà. Voilà. Ok, attends, je vais le coiffer parce qu'il est un peu vénère. Il a des choses à vous dire. Il parle pas français, il parle que jamaïcain. Vas-y, tu peux parler, vas-y. Ça va mieux? Yeah! Voilà! I want one with them rascals like old Yaman in the chat. Onugo Sakuno Mada. Don't make me call Cape Town making bonafire for no pussy. You see it? I miss it. Ouais, calme-toi, frère. Il est vénère. Autant de gros mots à la minute. Calme-toi, frère. Les old Yaman, ils font leur pub comme ils peuvent. Hein? Clash Ounours, il est remonté à bloc. Bon, qui mène? Qui mène dans cette place? Big up Mike Zemo in the house. Big up everybody. Qui mène? Est-ce que c'est Ben Back? Est-ce que c'est Vibe Guard? Le clash, il est hard tapé qu'on est sur différents registres, différentes sélections. Wicked type pattern. Je vous laisse exactement 10 secondes. You know how to count? Me know how to count? You mother count? Ok, bon, vas-y, laisse tomber. Laisse tomber, frère. Il dit, hey, t'es fou, toi, frère. Dis pas des gros mots comme ça. Heureusement, il parle que jamaïcain. Alors, attendez, laisse-moi voir le chat. Il est où le chat? 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 Alors. Alors, qui mène et n'a dit sa bombe, plate. Hein? Ah, c'est chaud, frère, c'est chaud, ça a l'air sticky hicky. Sticky hicky! Alors là, on me dit, big up à tous ceux qui sont dans le chat, ça fait plaisir d'être là, je vois qu'il y a de la banque, il y a de la banque. Hé, hey, d'ailleurs, Hot Topic, vous avez vu ou pas? Dans le chat, il y a la femme à Rambo. T'as vu, toi? Yeah, man, of course! Il y a la femme à Rambo dans le chat. Elle s'appelle Vivi Rambo. Avec cette histoire de Steven Seagal et tout. Elle était vexée. Elle dit, oh! Là, je crois, une instance de divorce. On va l'appeler Vivi Seagal maintenant. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous donnez votre avis dans le chat. Vous êtes les bienvenus. Big up everybody. Big up everybody. Big up everybody straight. Big up everybody straight. Voilà, attends. Hot topic, mon frère. Hein? La vie de ma mère, qu'est-ce qui se passe dans le chat? Bon, je vais. Alors là, tout le monde est en train de dire c'est serré. Nana, il y en a qui disent c'est Ben Back. Il y en a qui disent non, c'est égalité. Il y en a qui disent nana. Hein? Clash ou qu'est-ce que t'as à dire? Mais non, business about this bomb, clac, non. A kill me one fille qui l'a bien mal. Bon, t'es trop vénère, frère. C'est quoi? Bah, Clash ou la vie de ma mère, je sais pas ce qui t'arrive aujourd'hui. Oh, il veut carrément, il veut tuer des marabouts, le frère. Calme-toi, frère. Alors bon, je vous le dis tout de suite les gars. Hot Topic, il est quelle heure? Il est exactement 16h15. Vous savez très bien que le Tune Fit Tune va arriver. On est exactement à peu près 100 en quarantaine. Ok? Donc elle est belle. Ah là là, je vois que ça se tape des barres. Regarde, tout le monde rigole. Il y a Human qui est dans la place. Big up brother for life. Merci à toute la Belgique d'ailleurs, parce que la Belgique supporte Clashology. Hein? On se demande où sont les Suisses? Hein? Ils sont où les Suisses sur Clashology d'ailleurs? Ils parlent pas français, les Suisses? Ils parlent français, les Suisses? Hein? Cache-nous, qu'est-ce qui se passe? Il est fatigué, le frère. Vas-y, va te reposer, voilà, tu dors. Hop! Hein? Hé là, oh! Oh! Hé! Hé, police, descend de clash, là! Hé, ils sont où, les Suisses? Non, j'ai pas le temps. Je voulais regarder le clash, mais je t'ai fait un peu de sœur au lac Léman. Hé, les Suisses, faut vous réveiller, les frères, on vous attend. La vie de ma mère. Ça suffit, vos conneries. Bon, alors, on me dit, franchement, alors, je vais pas lire tous les messages, mais bon,
Apparemment, voilà, il y en a qui ont déjà choisi qui gagne. Il y en a, ils ne savent pas, ils se posent des questions. Vous savez que c'est une feature original 45. C'est la finale du 45 to kill. Big up Flo Cabo, big up Pap Cap pour les Flyers. Et vous savez, c'est 5 tunes chacun. 5 tunes. Are you ready, Massive and Crew? Please, Massive and Crew, put some vibe on the chat. I want to see some 2-7 crash. I want to see some fire. Big up party time every time. Same, straight. Vous êtes prêts pour ce dub feed up? Hey! Tune fit tune, c'est pas la même chose, mais bon, voilà, c'est à peu près pareil, on va dire. On va pas tergiverser. Eh, CBD Idrissa, c'est le frère de Idrissa Duvel. Alors, espèce d'enculé, hey, tu me dois 20 balles pour le fois, je t'ai fait une barrette de shit, espèce d'enculé, tu m'as pas payé la barrette de shit que je t'ai faite. Hein? CBD Idrissa. Hein? Qu'est-ce qui se passe là? On en parle ou pas? Alors, fais gaffe, mon frère. Donc, voilà, donc tous ceux qui veulent demander un petit peu d'aide, hein, je l'ai envoyé moi à Balot. Parce que voilà, Balot, et je lui ai dit, bon, on va prendre un marabout. Parce que Balot, comment ça Ah, je lui ai dit, non, faut arrêter ça dans l'animation. Et il est venu l'autre avec une patte de poulet. Bon, ça n'a pas marché, mais on a tenté. Allez, là, on me dit, il est quelle heure exactement? 16h18. Allez, on va commencer ce tune feature à 16h20. Comme ça, 420, you know, you can build yourself a split. Big up à tous les ganjaman. On va commencer à 16h20, à l'heure du joint. On leur laisse le temps de préparer leur sélection. You see it? Voilà. Et d'ailleurs, Clashology, on vous invite au mariage de Vivi Seagal, puisqu'elle quitte Rambo. Hein, c'est quand même, c'est one of a kind sur Clashology, ça n'existe nulle part ailleurs. Je le dis direct, frère. Hein, tu peux regarder les autres médias, etc. D'ailleurs, une petite parenthèse. J'aimerais préciser une chose qui est très importante. C'est que Clashology, c'est pas un média reggae. Si vous avez cru ça, vous vous êtes trompé total. Clashology, c'est un média sur les clashs. D'accord? Donc, retenez bien ce que je vous dis parce que la saison 3, ça va faire mal. On revient en septembre, octobre. Calme-toi direct, t'es pas prêt, frérot. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me bolos? T'es pas prêt au KLM, la piraterie. Big up à tous les jeunes de mon quartier. Always! Alors là, et ça va dans le chat, frère. Et les mecs, ils sont chauds, frère. Eh, hey, hey, 16h19, vous avez encore une minute, messieurs. Ha tapek. Franchement, ce clash, il est quand même wicked. On voit, voilà, l'animation, c'est pas facile en clash, surtout en français. On en voit beaucoup vanner dans le chat, mais j'ai les noms. Vous inquiétez pas, l'année prochaine, je m'occupe de vous direct. Maintenant, ça va être comme ça. Hein? D'ailleurs, on va parler de Ridey Vibes aussi. Ridey Vibes qui, pendant 3 semaines, m'envoie un flyer pour me dire, ouais, on clash. Pendant 3 semaines, il se prépare pour me dire qu'il a un problème technique. J'ai jamais vu ça de ma vie. Personne ne se prépare pour un problème technique. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Hein? Donc, voilà. Donc, moi, je te dis maintenant, tu peux prendre ta nationalité turque. Hein. Je te le dis direct. Hein? C'est pas comme ça, on représente la France. Je suis désolé de le dire. Voilà. Donc là, hein, ha, tape. Hein? OK? Allez, big up, all right, Devrides. Bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Hein? Voilà, c'est comme... Ah! Ha! Ha! Mon man! Il est où? Ah, ben non, je l'ai envoyé dormir. Vous êtes prêts ou pas? Dub fi dub. Party time, Clashology, Flo Cabo. 45 to kill la finale. C'est le moment crucial. Comme on dit en Jamaïcain, we done to the nitty gritty. No bullshit right now. 5 tune each. Are you ready, Massive and Crew? Coming by God. Yeah. Ah, big up encore une fois à l'organisation Carré Party Time. C'est le moment de partager encore une fois un maximum de respect à tous les Massives qui sont restés avec nous ce dimanche après-midi. Big up. On a bien transpiré avec l'eau, ça fait plaisir. Et c'est pas fini. J'ai 2-3 trucs. T'as eu beaucoup d'arguments, tonton, pendant les 2 rondes. Ça va être compliqué de tout répondre. Bon, du coup, pour te répondre, je suis déjà venu à New York. Bon, c'était juste en escale, en venant de Mobay, donc je sais pas si ça compte. Tu vois. Mais c'est pas grave, je sors quand même de ma campagne. C'était pour te dire, je suis déjà venu à New York, pas longtemps, mais j'y suis déjà allé. Mais tu me demandes si je suis déjà venu. Mais en fait, c'est nous qui avons commencé la visite. Pourquoi t'as attendu qu'on commence la visite à Brooklyn pour que tu lances tes trucs? Il fallait faire dès le premier clash. Mais non, j'étais pas perdu parce que je suis certain que Bobby Conders, il a commencé à cutter dans son appartement à Bed-Stuy. Ça, j'en suis certain. Il a peut-être déménagé après, une fois que la vibe lui convenait plus. Il a peut-être été ailleurs, j'en sais rien. Mais en tout cas, on est ici à Brooklyn avec toi. Je vais te le dire. Et que ça te plaise ou pas, tu peux pas te cacher. Écoute le tune. Que tu sois prêt ou pas, on est quand même là. Ready or not, here I am.
you can't hide. I'm gonna find you and make you happy. Hey yes, on va te trouver, on va te mettre la misère. Ouais, mais il sera trop tard, parce que vu le, tous les détours que t'as pris par le Queens et tout, t'arriveras trop tard. Non, c'est pareil. Donc du coup... Pourquoi tu parles du Queens? Bah, M.O.P. c'est Queens. Non, non, c'est Brownsville. C'est Brownsville, tonton, ouais. C'est à Brooklyn. Brownsville, c'est un quartier du Queens. C'est un... Brownsville, c'est un quartier du Queens. T'es sûr? Ouais. C'est comme Bed-Stuy, c'est un quartier de Brooklyn. Voilà, okay. Voilà, c'est... Mais bon. Voilà, on va arrêter là. On va jouer justement l'artiste que tu m'as dit que je pouvais pas jouer, Shabba Ranks, et qui paye respect à tous les foundations, parce que apparemment c'est foundation les comment les dopidum. What a merit to the foundation of the music, to all the godfathers who sent it. You know you have some little people don't know respect. As a matter of fact, them son of hard a man for the elders, but un peu de respect dans le clash, ça fait pas de mal. You see the elders then? Tell us about the anciens. We no nurse, we no pet, we no dribble, we no soda, we no powder. We no better respect the elder entertainer. We no nurse, we no pet, we no dribble, we no soda, we no powder. All of the foundation said respect for some little entertainer. What is the matter with them? Them do a one song which is better but top 10. Nothing no itty-tighty, flitty-flighty, pussy like a them face a rule. I been for evil for them best friend and them no old. Them original Kana again. He reached the solution for the old of them. If... Voilà. Ok, Shabba Ranks, respect, hot mille crédits. Mais tonton, t'aurais fait quoi? T'avais préparé quelque chose? Il a fallu qu'on t'ouvre la porte sur des trucs pour que tu viennes jouer des morceaux. Mais t'as besoin de nous en fait pour faire ta tracklix. C'est ouais. Ça. Il faut qu'on fasse des trucs pour que tu fasses la même chose. Shabba, on en a joué deux. Donc ton Shabba, on dub feed dub, il a rien à foutre là. Nous, on a un message pour toi. Il faut que t'arrêtes de faire n'importe quoi. Parce qu'on joue tous les styles. Et ça, tu peux pas nous l'enlever. Stop your running about. It's time you straighten up. Big up à tous mes skidens dans la danse. Stop. Tu dis de fondation, tu parles de fondation. Ça, c'est fondation. Trouble in the town. Ah, Rudy. A message to you, Rudy. Yeah. Bah non, en fait j'avais préparé des trucs, mais hier soir il y a quelqu'un qui est venu, je sais pas ce qui s'est passé. Tu m'as dit que t'es venu en escale à New York ou quoi. Je te suspecte d'avoir pris mes disques. Alors il serait temps de les rendre. C'est pour ça, j'étais perdu tout à l'heure. Wake up! Solo, wake up! I think someone's breaking into the house. Say hey boy, put it back. And that me tell you, to one broken. Come on, Miss Good! Then I try take me loot. Hey boy, put it back. Damn petty thief, one take me stereo, one me DVD. Hey boy, put it back. And that me tell you, to lucky man or no bad man, because you gonna get you. Yes. Yes, yes. Yes, yes, yes. Mais je comprends pas. C'est toi le mytho, c'est pas moi qui vole. Tu me dis que je t'ai appelé, nanana, tu dis des trucs qui sont pas vrais, c'est toi qui as de mauvaise foi. Moi j'ai mes skeds, je les ai joués, et t'es tellement jaloux que je les ai joués, tu veux que ça soit les tiens. Mais non, c'est mes skeds, tonton, des crucial tunes. Donc me dis pas que je suis venu te voler ton truc, c'est quoi ça? On n'a même pas une réponse pour les mythomanes, on va essayer de faire un peu d'éducation. Ok, parce que depuis le début du tournoi, Wari il dit, mettez des tous ces 20 clash, mais... Il faut aussi éduquer les gens. On dit ça à cause de ce morceau-là. Mettez des 2-7 clash dans la chatbox. Crucial tune again. On vient éduquer les gens au dub feed up. Au dub feed up, c'est comme ça que ça se passe. Yeah man, mettez-moi des 2-7 clash si vous kiffez la vibe de Vibe Guard. Yes. Ouais, alors la vibe de Vibe Guard d'ailleurs, on va en venir à ton petit nom. Comment tu peux garder la vibe si tu l'as pas? C'est pour ça que t'as déjà perdu. C'est que la vibe, c'est moi qui l'ai depuis le début.
ça c'est la counteraction à ton poser culture d'Audi. Tous tes autres arguments, ça fera des bulles pour moi. Ça fera que des bulles, on n'entend rien. T'as mal fait ton travail, la vibe c'est moi qui l'ai. Attends, c'est pas fini. Reste humble. Parce que je vois que ton côté derrière ton côté nonchalant, t'as une grosse estime de toi quand même. Tu mets la caméra un peu. Tu dis que t'es un empereur. Bah ouais, on voit que t'es un empereur, mais tonton, il reste deux morceaux, c'est pas gagné. Eh les chevilles, dégonfle un peu moi ça, ok? Là, on va te jouer un tune pour te dire ce qui s'est passé aujourd'hui. Écoute. Quand on joue des clash tunes, on fait ça bien. On tape feed up. Vincent Beckford. On est ready pour mettre les massives Irie, c'est uniquement ça, Vibe Guard. On a la vibe parce qu'on arrive à ambiancer les gens, c'est tout. Mais toi, rends-toi à l'évidence. Ok. Je sais plus ce que je voulais dire, merde. C'est que. Parce que de toute façon, tu dis que c'est pas fini, mais moi pour moi, j'ai la foi, je crois que c'est fini. Big up aux Blayson sur leur montagne. Moi quand j'ai la foi, je les déplace les montagnes. Et là, j'ai la foi en la victoire. Foundation UK style. Yes, big tune. Donc les montagnes, on va les laisser là où elles sont, t'inquiète. Là, c'est pas la question. La question, c'est de contrôler une danse. Un son de clash, c'est ça. C'est qui, à la fin du son, est le woula. Écoute ma fondation. Studio White. On vient Woody Dance. Alton Ellis. Final Jump. Reward the 45 to kill. Bon. Alors, ouais. Mais moi, j'ai la victoire. La victoire, elle est pour moi. Même si t'es prédominant. Et ça, c'est Foundation. Foundation 2010. Ça mash-up toutes les sondes, toutes les danses, en Europe, partout dans le monde. Y'a pas plus Foundation pour une scène qu'un morceau comme ça. Et c'est celui-là qui va me donner la victoire. Tous les styles, on a dit. Et si c'est pas Wari qui me la donne, ça va être Jack. Ben Max a lead. Et big up à tous mes ennemis. Hot! Hot! Hot to Bombo Clad Star! Me I tell you, Dread, you know, see what I go on pour Clashology Party Time. Be a vibes, you know. Alors là, franchement, bon, bah voilà, vous savez, nous, on n'est pas là pour faire semblant. On doit voter ce clash. Hein? Mathia, tu sais comment que ça se passe. Maintenant, tous ceux qui ont suivi cette compétition, ils savent comment que ça se passe. Si vous ne voyez pas la pop-up box apparaître, vous sortez du live, vous rentrez dans le live, vous la verrez. Il est venu le moment de juger ce clash. Attrapez. Qui a gagné ce musical 45 to kill? Ben Back, Vibe Guard, Ben Back. C'est à vous de juger. C'est le moment.
Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? La chouloute. Ah, il veut dire un truc. Viens, t'as poussé clair, tu vois. Il y a un peu de pipe en slip, hein? T'es menace? Yo! Nice clash, you know, man, I tell no lie. A true man, I like my old beer man, you know, but that clash, yeah, nice. The bigger each and every one from the clash, you know. A million, you know. You see, you is impossible. Hey, calme-toi, frère. Putain, il m'insulte comme ça en public, l'autre. Allez, il est temps de voter, les gars. Alors, pendant que les gens votent, voilà, là déjà, moi, on me demande de voter. Interdit. Total. Je ne peux pas voter. Donc, vous pouvez voter. C'est le moment. Merci à Vibe Guard. Merci à Ben Bach. On va présenter, bien évidemment, les trophées hein, pendant que les gens votent. Alors, le premier prix. Alors, on a fait du bon. Hein, on l'a déjà offert à quelqu'un. Il nous l'a renvoyé. Donc, du coup, on s'est dit, bon, bah, on va le remettre en trophée, quoi. Hein, c'est un film extraordinaire. C'est un film français. Hein, bien. Coluche, Depardieu, hein, Inspecteur la bavure. Voilà, en fait, voilà. Donc ça c'est alors le premier prix. Il y a deux premiers prix, bien évidemment, parce qu'on n'est pas des radins non plus. Hein. Le deuxième, bah, c'est un film avec Coluche encore. La femme de mon pote. Extraordinaire ce film, hyper intéressant. Franchement, je l'ai regardé hier soir. Ouais, ça m'a appris beaucoup. Alors, le deuxième prix pour le deuxième. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On est clashologie, tu vois, il faut rappeler les routes. Nous, les clashs, on les écoutait sur cassette. Alors, on s'est dit, allez, on se lâche. Hein. On va offrir des cassettes audio. C'est des vraies cassettes audio. D'accord? Là, c'est Paul Anka. C'est un album, Feelings. J'ai jamais écouté. Bon, je sais pas ce que ça vaut, mais bon, en même temps, c'est pour le deuxième. Hein. On va pas se prendre la tête. Voilà, donc comme vous pouvez voir, hein, y a du travail sur ce média. Tabarnak, big up à tous les Québécois. Ah là là, big up à Don Ballo, big up à Polak, big up à tous les gens qui se sont investis sur Clashologie. Deux saisons déjà. Oh, mon Dieu. Ah, on va faire mal. Et bientôt, qui la Réunion. Jamais vu nulle part. Deux Clash, deux Selecta à la Réunion. Taiwan et Selecta Skunk. Ils vont s'affronter pour un Clash 45. Merci à Party Time, ça va être du Hot Topic. Ça, vous retrouvez ça le 13 juin. Bien évidemment, je crois que le 3 juin, je crois qu'il y a un truc de ouf, c'est sur Instagram. Il faut me corriger dans le chat si j'ai tort, mais le 3 juin, je crois qu'il y a Soul Stereo et Umpora Sound de UK qui vont faire un live ensemble sur le Dub Feed-up. Voilà, ça. Et après, le 7 juin, vous retrouverez Guiding Star et Soul Stereo sur War Report. Et il y a encore une autre chose. Je crois que le 3 juin, vous avez un live party time avec… c'est un live entre labels encore, on ne sait pas qui c'est. Mais voilà. Hot things. You know, with Daya, we are do our things, you know, so big up à tous les ragamuffins soldiers. Let me read the chat. Merci à tous d'être là. Il y en a, ils sont arrivés en retard. On était à peu près 130, 140. Là, maintenant, on est monté un peu plus de 150. Ça fait plaisir pendant le dub feed up. Allez, on va juger tout ça. Alors, attends, laisse-moi voir ça. Ah là 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 là, ça fait plaisir d'être avec vous. Franchement, les frères. Hein? Classic, my brother, Maximo, big up yourself, you know. I like to see you there, bro. And as you said, there is nothing better than a 45 clash, actually. Actually, 45 clash, it's like really like giving the opportunity to people who can't buy the plate. When I say 45, but it could have been MP3 CMY, okay? We know bad mind, nobody on Clashology. We respect King Addis, we respect LP, and we respect the smallest on them. Every song, you see, this is the turf. How you been? So big up each and everyone, strict from Mr. War Clashology as any time. Ah, Matt, could you big up yourself, Jawed, la famille, always. Ah, c'est le 30 mai, voilà, Rico m'a corrigé, c'est le 30 mai. Et le 3 juin, c'est le live de Party Time. Exactement, voilà, c'est bon, j'ai rectifié, c'est parti. Tic Clash Laté, bon, bien sûr, mon frère, maestro, big up yourself. C'est un petit Isamal, ça va faire mal. Et là, c'est pas ça va être le livre de, c'est pas la petite fumée, c'est pas Castaneda. C'est la réunion en mode hot topic. Ça brûle. Allez, big up. D'ailleurs, j'aimerais faire un big up à Aïda. Parce qu'Aïda, elle a dit, ouais, oubliez pas le chrono. Mais Aïda, il n'y avait pas de chrono si c'était à ce coup-ci. C'était 5 tunes chacun. C'est pas des minutes, c'est des morceaux. Enfin, bon, bref. En tout cas, big up. Merci de t'inquiéter. Ça m'a fait plaisir. Donc, neuf respect, ma sista. Allez, c'est parti. Big up à Ice Every Time. Alors là, attention. Faut voter pour qui? Il y en a un, il dit qu'il faut voter pour Lily, mais always, 82 ans,
Quelle femme extraordinaire, franchement, big respect. Much love à toutes les mamans d'ailleurs. Et much love à toutes les ladies, you know, et à toutes celles qui supportent Clashology. Ben back, big up yourself, vibe, girl, big up yourself. Merci pour ce clash. Ce clash était hyper intéressant en vérité. Voilà un clash 45, c'est ça qui est génial, c'est que musicalement, on est moins enfermé, on a entendu des trucs, même si ça fait bizarre dans certains rounds, mais ça permet vraiment de découvrir les sélectas. Et là, voilà, on vous a découvert. Alors, c'est jamais facile, surtout qu'il n'y a pas de public en face de vous, donc il faut s'imaginer les forwards et tout. Et vu qu'on n'a que des crétins dans le chat qui vannent, c'est pas facile. Mais bon, Clashology, c'est construit sur l'humour, et nous, c'est ça qu'on veut, parce que rigoler, c'est la vie, c'est « Ha, tapé Clashology, oh no, no, the thing already ». Allez, Vivi Sigal, big up yourself, Drake. Tout le monde se prend des cartouches ici, c'est ça qui est bien. On est tous logés à la même enseigne. Ça fait plaisir, quoi. C'est comme une bande d'amis dans le quartier qui se vannent. C'est ça qui est bien. Voilà, il n'y a pas de prise de tête. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas dans un putain de star system. Et big up, big arounds, d'ailleurs. Hot topic, mon frère. Big up yourself. On me dit crétin en logis. Et je vais ouvrir un autre groupe. Là, Asher, big up, tu m'as donné une idée, frère. Alors, attends. Il y a Kevin qui big up tout le monde. Exercice compliqué, je suis entièrement d'accord avec toi. Hein, c'est pas facile. Mais c'est pas facile non plus d'être là le dimanche après-midi. Donc, je vous remercie vraiment parce qu'au final, moi, quand je lis le chat, je me suis tapé des barres. J'ai passé un moment extraordinaire. La vie est pas facile pour tous. Parfois, même dans vos vies personnelles, il y a des problèmes, il y a des complications. Et quand on se rejoint sur ce type de live, c'est vraiment pour se lâcher, pour s'amuser, pour décompresser, pour prendre une vibe ensemble. Et je pense que sur ce terrain-là, c'est réussi. Alors, merci à vous tous. Merci à vous tous pour ça. No love for that. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a Clash of Lords, il est vénère. Hey. Non, arrête. Non, je ne vais pas le faire parler parce que là, il a des choses à dire, t'inquiète. Exam Zaïd. Trop de 69, mon frère. You know the thing, you know. Yeah, man. Et big up à tous les artistes, d'ailleurs. Hein, faut les big up aussi. En ce moment, c'est important. Ah, j'ai repoussé le repas avec grand-mère. Yeah, man. Bakaman, big up yourself every time. Clash of Lords for life. You know the thing. Hot topic. Bon, alors, je vais attendre. On va vous laisser le temps de voter. C'est quand même la finale. Hein, faut pas faire n'importe quoi. Voilà, on a annoncé les shows, vous verrez les flyers sur Facebook, il suffit de partager. Merci à vous tous d'ailleurs d'avoir été là toute cette année, en réalité, parce que c'était Clashology, moi je pensais que ça allait durer 2 jours. Ça fait maintenant 2 ans. Voilà, on n'est jamais en fait, voilà. Comme quoi finalement, il y a des gens qui sont passionnés par cette culture. Et comme je vous ai dit, nous on n'est pas un média reggae, on est un média clash. Donc, on va vous parler des clashs. L'année prochaine, on va s'investir dans différents mêmes types de clashs. Hein, on va commencer à vraiment être dans notre délire. Alors, big up à vous tous. Straight. Et big up à tous les médias reggae, d'ailleurs. Sim. Yeah. Et surtout, Party Time. Yeah, man. Yeah. Voilà. Matt Kipoa. Yeah. Rico. Pauline. Vince Irie. Antoine Stey Terminal. La famille. Big up. Magnifique live avec... C'était qui? C'était Big Red et Naughty, c'est ça, non? Wicked, papa. Hot Topic, Asher, Always. Oh non, Nadine, Always. Kevin, Always. Michael, Always. Cali Sound System, big up. Allez, Cali. Big up, California, CMWay. Oh non, Pulusha Shadow Killer, big up yourself. Java Selecta, big up yourself. Iron Man, big up yourself, Feno. Gravity, big up. Strike, Heavy, big up yourself, Feno. Dad, big up the studio, CMWay. No? Family things, you know. Patrick, big up yourself. Yeah, man. Ça fait plaisir de big up les gens, là. Yeah. Yeah, man. Cyril Oliviero, big up yourself. Straight, you know. Bonne vibes on chat. Yeah, man. Ice, always family thing, you know. The artist, the singer. Yeah, man. Juby Fresh, big up yourself, you know. Hot. Ja, say wadada. Big up yourself. Wadada. Oh. Un son de Tour en 1987. Big up Brian, big up toute la famille de Tour. Yeah, man. On lâche pas la colcha. Flo Cabo, Seba Isablid, Mathieu Le Premier, Uno No The Thing, Clashology Family, Ha, Théodina, big up yourself, Aïda Merad, big up yourself, putain, que du love, que de la vibe, que des barres de rire, que des fans de Clash, qu'est-ce que tu veux de plus, frère? Hein? Clash, non, ferme ta gueule, là, c'est pas ton tour. M'a saoulé, frère, l'autre, il vient, il insulte tout le monde, oh, déjà qu'on a un dossier comme ça de plainte, j'ai failli me faire virer de la baraque par Lily, ça suffit, moi, là, je suis en géopardie.
Hein? Quelques petites sueurs froides ces derniers temps. On va bien rigoler, je vous dis. Et n'oubliez pas, mercredi prochain, débrief et débat avec l'original Matt Kudiouf Jawed et l'original Kayo Shaman. Donc soyez là, ça se passe mercredi soir sur Party Time Clashology. Vous verrez les infos bientôt sur le groupe. Ça va faire mal au crâne, brother. Ça va faire mal au crâne. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Parce que, putain, j'ai une mémoire de poisson. On m'a dit, dis ça, j'ai déjà oublié. Ah, non, bah, à part que Balot, il est pas là, cet enfoiré, d'ailleurs. On peut en parler de ça, pas? Il est où, Balot, là, d'ailleurs? Il est où? Quelqu'un a son numéro? Hein? Dès qu'il faut taffer, il emprunte le terrier, il se casse, le gars. Hein? Ragondin premier. Alors, force à tous les musiciens, bien sûr. Hein? D'ailleurs, sur Clashologie, nous, on veut diviser personne. Nous, on vous acceptera tous, les vaccinés, les non-vaccinés, les avec papier, les sans-papier, les deux souches, les immigrés, tous, les chiens de la casse, les ragamophiles, les SDF, tu vois, c'est un peu la maison à Coluche, tu vois ce que je veux dire? C'est ça l'esprit, mon frère. Rigoler sur la vie c'est Clashologie, voilà. Straight, voilà. Alors, qui a gagné? Merci à toi, Cédric. Enfin, une question intelligente dans ce putain de chat. Qui a gagné? Hein? Parce que là, franchement, c'était serré quelque part. Hein? Regardez vos gueules, bande d'enfoirés. Regardez toutes les conneries que vous dites. Vous avez de la chance que, bon, j'ai pas de focus, sa mère. Hein? Mais vous inquiétez pas, j'ai les noms, là-même. Là, maintenant, tous ceux qui vont mettre un commentaire de merde sur Clashologie, je vous envoie une cartouche de vanne. C'est l'échange. Voilà, ça va être comme ça, même. Donc, préparez-vous. Voilà. Ah! Attends, Clashologie, reviens. Non, parce que là, c'est hard to fait. How many bombo clubs do you have in Rostein? How are you trying? Hey, where are you, Rostein? Hey, you're trying to get rid of me, you know? Big up every song. Big up everybody. Voilà. Attendez, je le recoiffe parce qu'il voit rien. Ça va, Clashologie, ce coup? Yeah, man. Yeah, take me for one. Hein? Et d'ailleurs, vous vous rappelez le clash Jawed des chamans? Vous vous rappelez les phrases de Ragondin? Eh, hey, attends, intermission, avant qu'on dise qui a gagné, attends, frère, s'il te plaît, police descend de clash, Shaman et Jawed, vous allez retrouver ça mercredi soir, mais vous vous rappelez les phrases de Ragondin, hein, on va te limer l'arrêt, ronde après ronde, police, vous êtes en état d'arrestation, garde à vue, là, tout le crew, direct, hey, vous vous rappelez Shaman, hein, vous vous rappelez Shaman, eh, hey, toi, t'es un poussi, t'es une gale. Police, en état d'arrestation, toi aussi, garde à vue. On va en parler mercredi, vous allez voir. Ha, t'as plus que sa mère. Ah ouais, non, mais attendez, ils font les malins, mais vous allez voir. Allez, hop, on remet ça droit. Voilà. Alors, Mathieu, party time. It's your time. Who's the winner? Oh là 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 là. Alors, on peut dire. Écrasante victoire de Ben Baxand, 75%, hein, avec 67 votes, 76, et Vibeguard, 25% avec 25 votes. Bien joué, les gars, franchement, c'était pas simple, finalement. Alors, franchement, bravo, les mecs, franchement, voilà, je vais poser le téléphone pour vous applaudir. Hein. Merci, les gars, merci. Hot topic, ce clash, pas facile. Alors, Ben Bax, bravo pour ta victoire, hein. Je t'envoie les DVD de Coluche incessamment sous peu. Vibeguard, l'air de rien, t'as quand même gagné une cassette. Polanka, voilà. Nous, les gars, merci beaucoup. C'était pas simple. Merci à tout le massif. Écoutez, avant de dire quoi que ce soit, avant même qu'on débriefe un peu, je vais donner la parole à Vibeguard. Ok, bah, merci à toi déjà. Quitte à avoir une cassette, t'aurais pas une cassette de Clash pour qu'on studie le truc. Non, big up, c'était pas du tout évident aujourd'hui, Ben Bax, heavy loaded, en fait on a essayé de venir sur ton terrain comme on a expliqué, mais bon, voilà quoi, c'est pas facile le jet lag et tout, non franchement propre, et argument, bon clash, on a essayé, et bien joué. Ah, merci. Ben, tu sais quoi, ça me permet, je vais demander, écoute, j'ai le téléphone qui est là, j'ai le chat qui est là, je vais demander un peu au massif. Voilà. Eh, regarde, allez rigoler, regarde. On me demande encore de voter. Qu'est-ce qui se passe là?
Bon, les gars, dans le chat, j'aimerais savoir, en fait, sérieusement, on va faire un petit débrief. Il nous reste quelques minutes, hein, il nous reste pas beaucoup de temps. Ensuite, on donnera la parole à Ben Bach, bien évidemment, le vainqueur de cette compétition organisée par Flo Cabo, Party Time, Clashology. Mais avant tout, j'aimerais savoir, sincèrement, parce que si on n'est pas là pour vanner, sincèrement, à tous les clashologistes, à tous ceux qui aiment les clashs, qu'avez-vous pensé de la performance de Vibeguard durant ce clash? En quelques mots, je vais lire quelques commentaires. Je pense que c'est intéressant aussi de le faire en live. Alors, big up à vous tous. Alors, il y a Henri Christophe qui me dit que peut-être du côté de Vibeguard, il y avait trop de déjà entendu. C'est-à-dire, j'imagine qu'il veut dire par là des morceaux un peu régulars, alors que peut-être que Ben Bach a joué peut-être sur un registre un peu moins connu. Tout à fait. Et du coup, bah, je rebondis un peu là-dessus, parce qu'en faisant le clash, forcément, on apprend beaucoup de trucs, et on se rend compte que les gens qui s'inscrivent, en fait, c'est soit des gros collectionneurs, mais vraiment de big heavy tune, des trucs vraiment durs à trouver. Et en fait, nous, on s'est rendu compte qu'on n'était pas ce genre de sonde. Moi, j'ai énormément de 45 tours, mais c'était pour faire du juggling, tu vois. C'était, j'allais jamais chercher la rareté, la bonne represse à avoir. Et là, franchement, les deux premiers clashs qu'on a fait, on a réussi à se débrouiller avec le speak. Parce que les tunes, effectivement, c'est pas des tunes de collectionneurs. Donc, je comprends ce qu'il dit, que c'est vachement régulier, vachement écouté. Parce qu'en vérité, on n'a pas une box de collectionneurs. C'est des tunes de juggling, en fait. Bah c'est bien, déjà, tu es arrivé en finale avec une box de juggling, ça donne de l'espoir. Voilà, aussi tout le monde peut y arriver en finale, franchement. Voilà. Ça doit donner de l'espoir à Mix Killaz. Il doit être dans le chat. Non, mais je te jure, c'est un bon message parce que son clash, il y a le speak, mais pas que, et il y a les tunes, mais pas que. Et là, voilà. Aujourd'hui, alors, je vais lire quelques commentaires. Écoute, je vais te couper la parole, t'as vu, je suis sans pitié. Alors, attends, je vais lire quelques commentaires. Voilà, on me dit que Vibeguard a gardé son script, a gardé son scénario et probablement n'était pas prêt pour avoir beaucoup de counteraction contre Ben Bach. C'est intéressant, effectivement. Il y a aussi, alors attends, excuse-moi parce que le chat diffuse sa mère, bang. Alors il y a Matt juste qui me dit peut-être trop hésitant au mic par rapport à Ben Bach. Donc ça, je pense que je dirais, moi, en tout cas, plus investi au mic que Ben Bach, qui a joué la carte de moins d'arguments. Donc, c'était aussi très intéressant. Voilà. D'accord. Bon, en tout cas, merci à tous. Alors maintenant, c'est Ben Bach. Big up yourself. The winner of the 45 to kill 221. No other than Ben Bach. Yo. Ouais. Ah, c'est cool. Ça fait plaisir. Merci Vibeguard, là, vous m'avez bien fait suer. C'était vraiment plaisant, quoi. J'ai kiffé toute la série, de toute façon, avec tous les gars, c'était vraiment bonne vibes. On a derrière dans les chats aussi, on parle des fois avec les gars, et franchement, je sais pas si ça se ressent pour tous ceux qui sont en train de nous regarder là à ce moment-là, mais franchement, c'est une bonne vibes et tout. Dimanche matin, pour moi, dimanche après-midi, c'est parfait pour jouer des disques. Vous avez les régulars, ça marche quand t'as un bon speech, et les gars, vous avez des bons speeches, donc y a aucun problème avec ça. Chacun se bat avec ses armes. Moi, j'ai des trucs collector que j'ai joué au début, un peu moins après parce que ça c'est filoche. Hein. Et du coup, j'ai joué avec ce que j'avais et construit des speeches aussi autour. Donc c'est pour ça que j'ai menti. Mais bon, si on peut plus mentir dans les sons de clash, je vois pas à quoi ça sert. Hein. Non, mais c'est exactement ça. C'est un entertainment aussi. Il faut jouer. Il faut avoir des arguments qui collent au tune. Bien évidemment, tout le monde a compris que Vibeguard n'était pas venu de cambrioler. Ouais. On n'est pas crétins à ce point. Même si dans le chat, il y en a, ils se sont demandé. Il y a la femme de Vivi Stigal, elle a dit j'envoie mon mec direct. Bon, le coup de Rambo, Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme, Jackie Chan et tout, c'était mortel. Là, on est vraiment dans l'école des clashs à l'ancienne. Des tunes, hein. Je dois dire que j'ai découvert aussi des tunes et ça m'a fait plaisir. C'est pas trouvable, c'est une dubplate qu'on a pressée, tu vois, de Ouziman, qui est un mec de Brooklyn, que je vous conseille de checker, Ouziman, si vous connaissez pas. Voilà, bon, c'est un mec de Brooklyn qui défonce, et voilà. D'accord. Bon, t'es éliminé, parce que tu viens de dire que t'as joué un dubplate, donc t'es éliminé, en fait. C'est Vibeguard qui a gagné. Je suis désolé de te le dire. Allez, merci à vous. Merci à Party Time, Flo Cabo. Merci à tous les Massive M Crew. C'était du hot. Le 13 juin, vous retrouvez qui La Réunion. Hein. Quand même, là, maintenant, on va dans d'autres endroits. Ça fait plaisir aussi d'y aller. Probablement aussi la Martinique, ça se prépare. En tout cas, voilà. Je vous remercie. Le flyer apparaît à l'écran. Je remercie Party Time. Je remercie vous tous de nous avoir suivis.
C'était quand même une superbe finale. Je pense que l'année prochaine, ça va être hâte. Vous avez aussi motivé beaucoup de sondes à venir s'inscrire. Donc ça, c'est très intéressant. Allez, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Nous, on se retrouve mercredi soir pour un débrief et débat en compagnie de Matt Koudjouk, Jawed et Kayo Shaman. Ça va faire mal. Party time. Big up pour le self. Big up pour la Pligal chat. Et on se voit très bientôt. Yeah. Salut.